Xavier, au niveau lanceur, lorsque le lanceur se présente au monticule, son positionnement et la façon qu'il va s'y prendre pour lancer vers le marbre amène souvent des mouvements qui pourraient être à risque. La position de départ étant très droite, un lanceur doit se retrouver à être en équilibre. Et lorsqu'il va commencer sa motion vers le marbre, son déplacement de sa jambe vers le marbre peut amener parfois à des blessures ou lorsqu'il va déposer sa jambe, foulure et étirement aussi. Même au niveau de la motion du lanceur, ça l'amène justement à étirer justement au maximum d'extension ses bras pour aller chercher le maximum de puissance. Et ce mouvement-là, une fois après propulsé avec le bras par-dessus l'épaule, amène parfois aussi des problèmes au niveau du mouvement et des blessures, naturellement. Moi, ce que je vois avec la technique que Pierre vient de nous décrire en lancer, c'est que tout le corps est impliqué. Donc, l'athlète, pour bien lancer, doit maîtriser plusieurs articulations, ce qui rajoute un peu à la complexité du mouvement. En plus, si on parle de blessure, une blessure n'importe où dans le corps pourrait influencer sa motion de lancer. Comme il a dit, il faut qu'il transfère son poids. Donc, ça fait qu'une blessure au niveau de la cheville ou du genou pourrait nuire à sa motion. Finalement, je voudrais aussi parler d'un petit point technique. Vu qu'on parle de ligue mineure, les poussées de croissance des athlètes entre deux saisons de baseball pourraient changer leur morphologie et leur façon de lancer. Donc, ce serait pertinent aux entraîneurs de vérifier que la technique de lancer de leur athlète en début de saison est encore bonne. Pas assumer que parce que ça allait bien l'an dernier, que ça allait continuer cette saison-ci.